La Camargue a souvent inspiré les poètes. Ils ont chanté son âme, ses mythes, ses valeurs. Son riche biotope, vrai paradis des bêtes, jardin de la nature, chatoyant de couleurs. Mystérieux delta, aux lagunes sauvages, grands espaces salés, tout parsemés d'étangs, plages de sable fin, dangereux marécages, terre où les traditions ont défié le temps. C'est dans ce monde à part, irréel et magique, qu'a vécu cet ami dont je vais vous parler. Un homme de taureau, rude mais sympathique, personnage attachant, ayant son franc-parler. Né d'un père éleveur, dès sa prime jeunesse, on peut le voir en selle poursuivant le troupeau, aidant à rassembler, lorsque le soleil baisse, les bêtes dispersées au milieu des roseaux. Son esprit est alors captivé par un rêve, assurer la relève, devenir maladier d'une nouvelle race, faire monter la sève et sortir à son tour les meilleurs cocardiers. Mais les rêves d'enfant sont souvent illusoires. La guerre, les ennuis forcèrent le destin. On dut vendre à regret la belle horde noire et rassembler les bêtes dans le petit matin. Pour cet adolescent, ce fut la déchirure. Sa chimère d'enfant était déracinée. Adieu les grands espaces et finie l'aventure. Une sorte de glas sur ses espoirs sonnait. Pendant plusieurs années, après cette cassure, il cultive les vignes dont il a hérité. Mais le gel et la crise de la viticulture ravivent le virus qu'il a toujours hanté. Aussi, c'est sans surprise qu'un jour on le revit reprendre avec ferveur tout un sens à sa vie, comme simple gardien chez un grand manadier. Je me souviens, jadis, quand en grande froidure, j'arpentais le marais, l'hiver de bon matin, où je le rencontrais, redressant les clôtures, fixant les barbelés, le marteau à la main. Ainsi qu'en plein été, lorsque le jour s'attarde, alors qu'il haranguait à la tombée du soir, l'élite du troupeau, les taureaux de cocarde, pour leur donner l'avoine auprès des abreuvoirs. Une dernière image hante encore ma mémoire. C'est quand je le croisais au volant de son char, ramenant des taureaux dans la nuit presque noire, à l'heure où le pastis coule à flot dans les bars. Aujourd'hui, retraité, on peut le voir encore, debout sur le plateau, le trident à la main, prodiguant ses conseils afin de faire éclore les hommes qui seront les gardiens de demain. J'ai raconté l'histoire de Marcel le gardien, de cet homme avenant que tout le monde estime, de Marcel, mon ami, ce mainteneur ardent à qui je vais offrir une dernière rime. Homme de mon pays, enfant de Marciargue, les cordes de ma lyre chantent pour te souhaiter que le mythique Apis, taureau dieu de Camargue, te donne du bonheur, longue vie et santé. Si, retraité, il s'est soucié des gardiens de demain, Marcel Guillarmé s'est aussi soucié des gardiens de son temps. En effet, dès la création en 1972 de l'Amicale des gardiens salariés, la plus récente des associations de gardiens, il en fut d'abord le secrétaire avant d'en devenir le vice-président jusqu'à sa mort en 1997. À l'initiative du marquis Folke Baroncelli, fut créée au début du XXe siècle, au sein de Marie de la Mer, une autre association de gardiens, la Nation Gardienne, visant à maintenir et à glorifier le costume, les us et traditions des pays d'Arles, de la Camargue et des pays taurins. En souvenir de son origine félibréenne, la Nation Gardienne incrusta l'étoile à sept branches du félibrige au coin de sa bannière, dont le milieu porte en broderie la barque des Saintes-Marie de la Mer, rappelant ainsi le lieu de sa naissance. La croix du Languedoc, brodée sur l'autre côté de cette bannière, avec la mention Toulouse et Avignon, montre que le Languedoc et la Provence sont à nouveau réunis. Guidé par cette bannière,
portée par le capitaine d'un exercice, la nation gardienne est présente à toutes les grandes manifestations liées à la Provence et ou à la Bouvines, dans le costume codifié par le marquis de Baroncelli lui-même. La confrérie des gardiens est la plus ancienne des associations de gardiens. Elle a choisi pour patron Saint Georges qui, dans la tradition catholique, a vaincu un dragon, symbole démoniaque. Déjà patron de toute la chevalerie chrétienne, Saint Georges a été choisi au début du XVIe siècle comme patron de la confrérie des gardiens, qui se rassemble chaque 1er mai à Arles. Annoncé à grand renfort d'affiches, Arles fêta le 500e de cette confrérie en 2012 de façon splendide et grandiose. Et la statue de Saint-Georges fit alors partie d'un gigantesque défilé qui anima les rues.